À 8 jours du printemps, la neige s'invite en Europe et provoque de nombreuses perturbations. Dans le nord et l'ouest de la France, 21 départements étaient encore en vigilance orange hier soir. La prudence reste de mise sur les routes avec des risques de verglas. En Île-de-France, le trafic devrait revenir à la normale dans les gares ce matin. Malgré la reprise plus tardive des trains en direction du Nord, Thalys et Eurostar. Circulation prévue à partir de 8 heures. Le blizzard n'avait pas soufflé aussi froidement sur Jersey depuis 1979. L'île de la Manche a été recouverte de neige, au moins 10 cm. Idem au sud-est de l'Angleterre, avec de nombreux axes routiers bloqués. Le nord de l'Allemagne, mais aussi l'ouest et la région de Berlin ont également été touchés par des accidents de la route et des perturbations dans les transports en commun. Enfin, l'aéroport de Francfort a été fermé 2 heures hier, les pistes étant paralysées par des amas neigeux.